ce plateau, une voiture récente aussi, hein, qui regorge de chevaux, c'est la BMW 135 Hippie Turbo. On est dans le groupe GT, bien sûr, de Joël Richard, le numéro 18. Écoutez pour le plaisir. Tout à l'heure, on a le frangin avec le numéro 60. Saxo VTS, on est dans la deuxième place du groupe SN. On a eu le papa tout à l'heure, voici l'héritier, le fiston, c'est Guillaume, Guillaume Fade, avec la M3 familiale aux couleurs de Montbalpin. Et aux couleurs, bien sûr, des partenaires officiels de cette 18e course de Côte des Vaux et Ménil, le numéro 44, Guillaume. FM4, Bertrand Simonin. C'est Julien Herman sur son fils Bali. Ensuite, c'est un très bon pilote et un palmarès éloquent. Une auto magnifique qui brille. Et le palmarès du pilote aussi, le Jean-Luc Fritsch. Aux commandes. Il est partenaire, il aura une pensée pour son copain Alain Dumarcoré. Il est partenaire officiel de cette 18e course de Côte des Vaux et Ménil. Bruno Fra, avec les transports vignerons, Rallye Fusion et France Euro Brest. Et de là, il faudrait surveiller un switch. C'est une auto magnifique. Là, vous allez vous faire plaisir parce qu'il y a vraiment une très très belle voiture.
Et l'un des animateurs du groupe N, aussi en piste de la classe N2, avec une auto qui est à vendre. C'est à savoir, c'est Frédéric Erhardt. Dans la petite classe du groupe N. Voilà l'un des garçons qui, ce matin, eh bien, se fait la course de la Brèche-Villers. Et s'il habite à 50 mètres du départ, c'est Olivier Johan. On l'a vu en monoplace il y a quelques années. Il revient à ses premiers amours cette semaine. Deuxième place. Et je peux dire, messieurs, que l'auto elle va magnifiquement bien. Joël Stahl. Et on retrouve Maxime Perrin. Avec la